Bonjour, bonjour les gars, comment ça va? J'espère vous allez tous très bien. Bon les gars, avant de commencer la vidéo, j'ai envie de faire un nouveau concours de 2 millions de karma à gagner sur le serveur Telesia à la place de 1 million. Donc forcément, ça sera 60 likes à la place de 30 likes. Franchement les gars, 60 likes c'est pas beaucoup. On peut le faire facilement et tu peux gagner 2 millions de karma. Franchement les gars, un abonnement d'une semaine, il te reste genre 1 million 3 1 million 2. Franchement très très bonne affaire. Donc pour participer c'est super simple, abonne toi sur la chaîne, likez la vidéo et mettez votre nom de votre personnage dans les commentaires les gars. Comme d'habitude on change rien, sauf tu peux gagner 2 millions de karma à la place de 1 million. Donc voilà. Allez, maintenant on passe au astuce karma. Ça dépend de peut-être de brisage, peut-être. Allez, on se retrouve. Bonsoir l'équipe, comment ça va? J'espère vous allez tous très bien. Bon les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le serveur Draconeros. Bon les gars, je viens de connecter et on a vendu pour 160. J'ai d'autres preuves de vente les gars, rapidement, 2 ou 3, je ne sais pas. Je vous montre ça juste après ça. Donc voilà les gars, on a vendu les 2 trophées. Les 2 trophées dommages poussés, saccageur R, ok. J'ai pas changé le prix les gars, j'ai pas connecté, ça fait 2 jours, un truc comme ça. Donc j'ai pas changé le prix. On a vendu la Delus, ok. Et on a vendu Bot Tarcé, je ne sais pas quoi. Apparemment on n'a pas vendu les gars les anneaux de Blob et tout. Donc on va changer les prix tout de suite. Bon les gars, pour l'épreuve de vente, bon rien de spécial. On a vendu Forcené Mineur les 2, 42 000 karma, saccageur R, saccageur R. On a vendu le trophée dommage poussé, Astucieux Mineur, ok. On a vendu Porteur Mineur et on a vendu les gars Héros des x2. Donc voilà, rien de spécial. Normalement c'est pour l'épreuve de vente. Normalement j'en ai pour les gars 700 000 comme un truc comme ça. Donc d'abord on va changer les prix rapidement, après on verra. Après on va récupérer les kamas en banque. Donc j'en ai laissé presque 200 000 kamas. Vente, il me restait quoi? Il me restait pour 600 000. Oh pas mal hein. Pas mal les gars, il me restait seulement les terres, saccageurs terres. Ok, on va changer ça. On va changer ça. 3 3 9 9 9 9 5, ça c'est fait, ça c'est fait, pardon les gars. Donc la Dilu ça coûte combien maintenant? Ça commence à être genre c'est pas rentable les gars. 17 000 kama, non mais c'est pas rentable, c'est pas, je crois le craft coûte plus de 17 000 kama si je dis pas de bêtises hein. On a 8 000 13 000, ok. On a pour genre 15 000 gros max. Donc bouffe, on va pas faire ça pour l'instant. Bon je vais changer le prix les gars, je vais débarrasser de ça. Après je ferai pas la Dilus les gars jusqu'à les prix changent. Donc on va débarrasser de ça. On est rentable les gars quand même, mais genre 2000 kama par ceinture, donc c'est vraiment pas ouf. Ok, de toute façon, les gars, on fait ça, c'est juste pour OP le métier et en même temps faire quelques kamas. Donc, on OP notre métier cordon mage, et cordonné gratuitement. Donc, franchement, c'est déjà cool. Donc, on a des 17 000, attendez. 17, 9, 9, 9, 8, 9, 9, 9, 7. Ok. Ça c'est fait. Par contre les anneaux de blob j'ai pas vendu les gars, c'est bizarre. Pourtant ça part très très bien. On va changer les prix, ça c'est sûr et certain. Donc je n'ai 4 les gars, j'ai même pas vendu une. Donc pourquoi ça sont 5. Ah voilà, 35 000 kama les 105. On a 35 000 kama les gars, vitalité 100, on a 105. 40. Ah merde, attendez les gars, attendez. 35, on a 100. 39, 25.
41 45 115, il n'y a pas la portée. Je crois les prix sont ok. Hein. 50 000 gamins. Je vais juste changer ça, les gars. 4800. Je vais le mettre à 4800. Par contre, celle-là, les gars, 135. 135, attendez, 120, 50 000 kama, 135 c'est la mienne les gars, donc je crois les prix sont ok, ça 60 000 kama, ça c'est les miens je crois, 25, 35, bon les prix sont ok les gars, je vais pas changer, il me reste seulement ceinture tortue, ça veut pas partir. 114 vitalité, on va juste checker. Il n'y en a pas en HDV les gars. 25, ok, 42, 36, 55, 110, 114, 55, c'est la mienne. 105. Bon, les prix sont ok les gars, c'est juste ça part pas très très bien. Donc on a quoi? On a les anneaux, ceintures et les saccageurs terre. On est où? Les métiers, les gars, les métiers, on est où? On a coordonnées 84, bijoutier 78. Bon, les gars, je pense on va faire, les gars, les anneaux de blob. Les anneaux de blob niveau 80, je crois. Il y a des anneaux de blob niveau 80, donc on va le faire. D'abord, on va OP le métier. Géant hommage les gars, on est 77, donc on va OP géant hommage niveau niveau 80 pour faire les zones de blob. Les autres c'est ok pour les métiers. Bon, on va juste crafter quelques trucs pour OP le métier. Ça coûte super cher. On va passer Alliance Ardala. Est-ce que ça coûte cher? Oui les gars, ça coûte cher. On a l'audit au bol, c'est quoi ça? Ça donne quoi? Ça donne vitalité, l'intelligence. Est-ce que ça part? Je ne sais pas ce que ça part ou pas. On va chercher les gars un truc qui donne la sagesse pour spammer les runes sagesse. Tout ça c'est non, hein. Tout ça c'est non, ça coûte cher. Pourquoi pas l'anneau les gars? Pourquoi pas cet anneau? Ça coûte combien? Ça coûte pas cher. Bon les gars, je vais crafter je crois ça. Ça coûte pas cher. Bon, ça coûte pas cher. Je vais crafter ça déjà. Je vais spammer les runes et sagesse et tout. Ça va hop rapide. Bon, on va déjà tenter ça. Après on verra. Bon les gars, on va récupérer les kamas avec vous. Je vais récupérer les kamas avec vous pour voir combien de kamas j'en ai en tout. Donc banque. Donc, ça lag un petit peu les gars, désolé. Comme d'habitude les gars, sur le serveur Drac, on est ça lag de ouf. Il y a beaucoup de monde, donc c'est normal, c'est tout à fait normal. En plus, j'ai un PC un petit peu merdique, donc... Oh les gars, on a 600 000, pas mal, hein. 788 les gars, 2 kamas, ça fait vraiment plaisir. Donc voilà les gars, on a 788 000 kamas. Donc je vais crafter 7 anneaux les gars. Et après on se retrouve pour les FM pour OP le métier de géolomage niveau 80 pour faire les items blob niveau 80. Donc voilà les gars, restez jusqu'à la fin, c'est très important. Les gars, donc voilà, c'est fait pour le craft. J'ai crafté le bracelet magique de chez K. Donc allez, on va spammer les runes jusqu'à niveau 80 pour faire les blocs. Après on va checker les blocs qui coûtent enfin les blocs qui sont rentables. Généralement les gars, les items blocs sont pas rentables puisque ça coûte rien à crafter et tout le monde peut faire ces items là. Donc bon, on verra les gars. Allez, on commence la FM rapidement. On va spammer les runes sagesse et tout pour OP rapidement. Donc on a 77. Ça va être un petit peu chaud les gars. Est-ce que j'ai les runes sagesse? Oui, j'ai les runes sagesse. On va spammer. Est-ce que on est géant hommage? Non, on va changer géant hommage. Ok, ça c'est fait. Maintenant on spam les gars, on spam. Bon, 16.
Ok, maintenant on va remettre les runes. Allez, allez, ça lag un petit peu, les gars. Donc, on va remettre la puissance et tout tranquillement. Bon, les gars, je pense je vais stopper la vidéo. Juste spam les runes. Bon, rien de spécial. Juste spam les runes, les gars. Et tu hop niveau 80, je pense, les gars. Je vais hopper niveau 80. Et on se retrouve juste après. Puisque c'est pas intéressant pour vous de voir ça. Donc, il n'y a rien de spécial. Donc, voilà, les gars. Je hop niveau 80. Et on se retrouve juste après. Voilà les gars, c'est fait, on est niveau 80, donc on va faire les blobs, on va checker ensemble l'HDV les gars pour voir les blobs qui sont rentables. Bon les gars, d'ailleurs j'ai vendu saccageur termineur, voilà, je viens de changer le prix, donc ça part vite. Ok, ok, donc on est niveau 80, allez les gars, on va checker les items blobs en HDV. Par contre, le métier bijoutier, les gars, je suis niveau 80, non, même pas 80, donc je ne peux pas crafter les blobs. Je dois encore hopper le métier bijoutier pour crafter les items blobs. De toute façon, on va checker tout ça. On va d'abord voir les items blobs qui sont rentables, les amulettes et les anneaux. Donc, on va commencer par les anneaux, les gars. On va commencer. D'ailleurs, on va briser les gars les deux items là juste après. Donc blob anneau. Ok. On va commencer par Coco Royal. Ça coûte combien? Bon, ça coûte rien les gars. Ça coûte vraiment rien. Est-ce que c'est rentable? Non. Non, non, c'est pareil les gars. C'est pas super rentable. 80 vitalité. Bon les gars, c'est pas ouf, j'ai l'impression. Allez, on va checker les griottes. Oh, les griottes ça coûte cher. Hein. Les griottes ça coûte cher. Seconde 2. Pourquoi ça coûte cher? Je ne sais pas les gars, pourquoi ça coûte cher. 65, pas mal les gars, les griottes sont rentables. Les griottes sont ok. On va checker juste la recette, pourquoi ça coûte cher. Ça coûte rien, hein. 5000, 7000. Bon, on a pour 12000 un truc comme ça. Donc c'est très bien. On va faire les blobs griottes. Les blobs griottes et les autres. Est-ce que les indigos sont rentables? Je crois que c'est oui. Je crois que oui les gars. Ok, 60000 kama. Oui les gars, c'est rentable. Donc on va faire deux griottes et deux indigo. Et les rainettes, est-ce que sont rentables? Je crois pas. Je crois pas. Bon, 20000. Regardez les gars, 130000 kama, 32000 kama. Enfin, 130 vitalité à 32000 kama. Donc c'est pas rentable. On va faire les deux anneaux les gars, griotte plus deux anneaux quoi, indigo. Voilà, je vais juste mettre ça ici comme ça, comme ça je peux juste voir ici. Pour les amulettes les gars, on va checker les amulettes amo. Pour des amulettes de blob, voilà. Pour les amulettes c'est de la merde je crois. Ça coûte rien. Je crois que c'est de la merde. Hein. Ok, 135. Non, c'est vraiment la merde. Les items blob, les gars, ça part très bien, mais ça coûte rien puisque c'est facile à faire, les gars. C'est facile à faire, c'est pour ça. 25. Ok, c'est con 2. Pourquoi pas? Franchement, les gars, pourquoi pas? Allez, je vais quand même faire deux amulettes griottes. Allez les gars, pour le beau jeu, je vais faire deux amulettes griottes. On va juste faire ça, deux amulettes griottes. Et les indigos, est-ce que sont rentables ou pas? Les indigos, je crois que non, hein. Je crois que non les gars. 32 61.
110 les gars, 45, non, non, c'est pas... Bon les gars, c'est rentable, mais c'est pas bon, tu gagnes pas beaucoup de kama, tu vois, donc ça vaut pas le coup. C'est pour ça... Bon, je vais pas le faire. Hein. Je vais pas le faire. Et les rainettes, est-ce que sont rentables? Je crois que non. Non, non les gars, c'est de la merde. Hein. C'est vraiment de la merde. À 31... 35, non les gars, c'est pas rentable, c'est vraiment pas rentable. Donc on va faire ces items là. Bon les gars, j'avais 788, voilà, 788. Je vais crafter les gars les items et on se retrouve juste après pour la fin. Bon les gars, donc voilà, voilà, c'est fait pour le craft. J'ai même acheté quelques runes vite fait les gars. Donc allez, on va commencer la farm. Il me restait moins de 500 000 kama. Ok, c'est pas grave, c'est pas grave. J'ai même crafté un item les gars pour OP le métier niveau 80 pour crafter les items blob. Bon les gars, tu sais quoi, on va farm rapidement les items. Après on brise les 3 items que j'ai acheté pour farm et pour OP le métier. Par exemple là, les 3 items là les gars. On a cette amulette là, on va focus PA. Bon, cette bracelet, on va juste pas focus, même celle-là, les gars. Donc voilà. Allez, on va commencer par les anneaux. On va juste spammer les runes. On a même les runes dommage, les gars. Ça donne 10 depuis, je crois, c'est plus ça. Hein. Je crois plus de 10, je crois c'est 20. Voilà, ça donne 20 depuis. Donc on peut clairement, on peut clairement spammer les runes vitalité. Donc d'abord on va spammer les runes maintenant. Ok, 51. Ok, on va OP la vitalité les gars jusqu'à niveau 100. Ça sera vraiment cool. On fait un niveau 100, 100 de vitalité. Voilà, t'as compris. Ok, allez, passe. Les gars, on doit sauter les dommages. Ça coûte 22 puits. Donc, on peut spammer tranquillement les runes vitalité. Allez, encore. Ok. Ok, 75. Est-ce que je peux mettre 3 maintenant? Est-ce que je peux. Yes, 80. Encore. Allez, encore. Non, mais encore plus. Sagesse, ok. Yes les gars, 107, c'est vraiment ok. Donc voilà, voilà les gars, pour le premier jet, c'est rapide, hein. C'est rapide. Et en plus de ça, rien de spécial, juste on spamme les runes. Donc on va juste mettre ça, ok. Maintenant on va mettre la chance à 30. Et maintenant les gars, on va spammer les runes de 5, les runes vitality qui est dans 5. Voilà, celle-là, rune vie, jusqu'à genre 60, 75. Ok, 52, allez 57, parfait, encore, allez, 80, allez, 70, yes. Maintenant les gars, je pense on va tenter de spammer les runes pavées qui est dans 15 de vitalité. Ok, allez 100, non, yes les gars, 102 je pense c'est ok, hein. 102, l'essentiel, plus de 100 les gars. Plus de 100, c'est ok. Ça c'est fait. C'est fait pour les indigos. Maintenant on passe à les griottes. C'est pareil. On va mettre ça à 30. L'intelligence. Ok, 28, c'est déjà bien. Maintenant on va spammer les runes vitalité. 40. Allez, 45. Oh les dommages les gars. Donc on a 18 depuis. 18 divisé par 3, ça fait 6. Ça fait 6. Non, attendez. Oui, ça fait 6. Si je dis pas de bêtises, je peux mettre 3. Je peux mettre 6, pardon. Je peux mettre 6. Bon, ça passe en crit, donc je peux ajouter une. Non, allez. Ah, mais putain, pas de chance, les gars. Vraiment pas de chance. Allez, encore. Yes les gars, allez s'il te plaît la dernière si ça passe. Parfait les gars, 108 c'est vraiment ok. Donc on passe pour le deuxième anneau. C'est pareil, on va spammer quelques runes comme ça. Quelques runes V. Allez, passe.
46, 51, 56, allez 60. Allez 60. Yes 60. Maintenant on va tenter de spammer les runes. Pavé 75. Allez 80. Mais putain, passe 80. Allez encore. Encore, encore, s'il te plaît, Dofus. Yes, allez, la dernière. La dernière. Non, mais putain. 99, allez. Oui, les dommages, les gars. Oui. Donc, moins 3, 20, moins 3, ça fait 17. 17, moins 3, ça fait 14. Donc, on peut mettre 4 runes. On peut mettre 4 runes. 1, 2, 3 et 4. Ok, 144 de vitalité. Franchement, c'est super. Donc voilà, on passe à les amulettes. Les gars, c'est vraiment facile à faire. Hein. Rien de spécial, comme vous voyez. Donc 29. Maintenant, on spam les runes de vitalité. Ok. Ça donne le soin et tout. Donc, t'as beaucoup de pouilles, les gars. Pour l'amulette, c'est facile à FM, j'ai l'impression. Voilà. Allez, si ça passe en crit, on est bon. Yes, les gars. En crit, ça donne quoi? Ça donne 32 pouilles. Donc, j'ai sauté avec 5 vitalités. Donc, on a 29 de pouilles. 29 de pouilles divisé par 3, ça fait 9, je crois. 29 divisé par 3, ça fait 9. 9, donc je peux mettre... Je peux mettre 9, ok, 9. Fusion et tout. Non, mais putain, regardez les gars, j'ai zéro chance. Mais putain. Tant pis les gars, je veux spammer jusqu'à niveau 100. Parfait, 108 c'est vraiment ok. Donc on va s'arrêter là. La dernière les gars, on est déjà fini, même pas 5 minutes les gars. Même pas 5 minutes, on a déjà fini. Ça c'est 28, ok. Maintenant on spam les runes comme d'habitude. 1, 2. Oh, le soin ça coûte 10 je crois. Donc on peut spammer des runes. Le soin ça fait 10. Ça fait 10 si je dis pas de bêtises. Moins 1. Ça fait 9. On a 8. Je peux spammer 2. Merde. Merde les gars, c'est pas grave. Je veux respammer. Allez, passe. Encore. Oh merde. Allez, encore, encore. Les gars, je pense qu'on s'en fout de l'invocation. Je sais pas si c'est intéressant ou pas, les gars. Vraiment, on s'en fout. C'est haut. Donc 30, ça fait 29. Enfin 27. Moins 3. 27 ça fait 24, moins 3, 24, 21, 18, 18, moins 9, ça fait 9 les gars, donc il me restait 9 de puits, il me restait 3 runes, 1, 2 et 3. Bon les gars, je pense l'invocation c'est pas très très intéressant, tu vois, sauf c'est pour les os à feu. Mais je pense que ça part les gars. Mais je pense vraiment que ça part. C'est pas très très intéressant. Tu vois, juste l'invocation. T'as 140 de vitalité. Tu peux laisser les invocations, franchement. Donc voilà, voilà les gars. On a fini. Donc allez, on va mettre tout ça en HDV. Mais d'abord, on brise les autres items rapidement. On a 3 items. On a l'amulette. On va focus PA, bien sûr. Je crois que j'ai déjà brisé ça. Je crois on va voir genre 30%. Oh, 68, pas mal. Ok, on a 30 000 Kama. Et les autres, sans focus, on s'en fout. On va gagner quelques runes. Brisé. Oh, pas mal, les gars. 36 000 Kama, regardez. 282. Franchement, pas mal. Ok, ok, les gars, pour le brisage. Allez, on va mettre tout ça en HDV. Donc j'ai payé, j'avais 788. Si je n'ai pas de bêtises, j'avais 788. Il me restait combien? Il me restait 788. Donc j'ai dépensé les gars en tout 300 000 Kama. J'ai dépensé exactement 300 000 Kama pour faire tout ça.
Donc allez, j'ai compté les galérunes et tout, donc ne vous inquiétez pas, j'ai tout compté. On n'est pas sur Télésia. Télésia, les gars, j'ai super plein de runes, donc en plus de ça coûte rien. Donc c'est pour ça, je compte pas les runes sur Télésia, ça sert à rien, ça coûte rien. Donc voilà. Allez, 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 on va mettre tout ça en HDV. On va commencer par l'amulette 139 et celle-là 108. Ok. On va checker 139. 139. 139, on a dit, les gars. Est-ce que. Oh, on a 140 à 145 000 karma. Il y a l'invocation par contre. Hein. Je vais le mettre à 100. Je vais le mettre à 100, les gars. 100 000 karma, je vais le mettre à 999. Si ça part pas, c'est pas grave. Je changerai le prix. Donc, voilà. Et celle-là, les gars, à 110. À 110. Voilà, 80, 52, 999. 100 000. Oh, ça coûte cher. Je vais le mettre à 50, genre 8. Allez, 58 000 quand même. On va commencer par les griottes maintenant. 144 de vitalité. 140, je sais combien, les gars, j'ai oublié, 144. Voilà, 144. Ça donne beaucoup de vitalité, la mienne, les gars. Il y en a même pas en HDV, donc je vais pas abuser, les gars. Je vais pas abuser. 144, 114. Bon, il y en a pas, les gars. Il y en a pas les 144 de vitalité. Est-ce que je vais le mettre à 100 000 kama? Est-ce que je vais le mettre à 100 000 kama? Je ne sais pas. Clairement, les gars, je ne sais pas. Est-ce que ça part ou pas? On a 109 à 999. Attendez. Bon, on va commencer par celle-là, les gars. Je vais le mettre à 99. Voilà, je vais le mettre à ça. Par contre, celle-là, les gars, 144 de vitalité, je vais le mettre. Allez, je vais tenter. Je vais tenter 110. Franchement, 110, c'est pas abusé. Hein. Bon, allez, 120. On s'en fout. Je vais le mettre à 120. On s'en fout. On va tenter 120, les gars, si ça part pas. Franchement, c'est pas grave. Voilà, 120 000 kama, celle-là. Allez, 102, celle-là. 102. Ça coûte combien, 102? On a 60 000, 70 000. Il y en a pas les 110, ça. Bon, je vais pas abuser, les gars. Je vais pas, clairement pas abuser. Je vais mettre les deux à 7, 9, 8, 8, 8. On s'en fout. Je vais mettre les deux à ce prix-là. Donc voilà, ça coûte pas vraiment cher. Normalement, si tous les gars, allez, on va compter combien de kama on a fait. Je vais juste enlever ça. On a 100 000 kama plus. Attendez juste 2 secondes, les gars. On a 100 000 kama, c'est ça. 100 000 kama plus 58, plus 58 kama plus. Plus 65, plus 65, ça fait combien? 130 000 kama. Plus 130 000 kama. Ah merde, je me suis trompé, les gars, pardon. On va juste enlever 130 000 kama. Je me suis trompé, pardonnez-moi. Plus. Ça c'est bien, ça c'est fait. On a les anneaux ici, les gars. On a pour 220 000 kama plus 220 000 kama. Ça c'est fait. Et les autres anneaux, on a pour 140 000 kama plus 140 000 kama. Ça fait 500 000 kama, les gars. Donc on a dépensé 300 000 kama. On a fait 220 000 kama de bénéfice, les gars. Plus on a OP les métiers. C'est le plus important, les gars. On OP notre métier tranquillement et gratuitement. Plus on fait des kamas, c'est le but, les gars. Maintenant,
les gars, maintenant, à ce tranche de niveau-là, le plus important, les gars, c'est de OP votre métier pour après faire des gros commandes. Maintenant, les gars, tu fais 200 000, 300 000, c'est vraiment OK. Hein? C'est vraiment OK. Sachant que tu optimises gratuitement, les gars. Gratuitement. Plus tu fais des commandes, donc c'est le but. Donc, c'est vraiment le but. Après, les gars, quand tu OP 200, tu peux faire des gros kamas comme je fais sur Télésia, les gars. En 5 minutes, je peux faire 2 millions, 3 millions sans casse-tête. Donc voilà, voilà, les gars, pour la vidéo d'aujourd'hui. N'hésitez surtout pas à liker la vidéo pour le concours de 2 millions de kamas. Et n'hésitez surtout pas à abonner sur la chaîne pour d'autres astuces kamas. Merci, les gars, d'avoir regardé la vidéo. Et on se retrouve à la prochaine.